الأكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونود الله توي لوس والله La paix et bénédiction dans le messager d'Allah. Vous saluez pour la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, pitié du Créateur, exo-bénédiction dans le tout. Dans ce moment-là, comment nous habitons, tendez, c'est un de bonnes étapes qui viennent de la vie d'un musulman. Et en même temps, nous tenons c'est le mois carême. En même temps, nous tenons concernant le Coran, Mais il restait que le Créateur dit nous dans Sourate 2, chapitre 2, verset 185. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel nous finissons la descente du Coran, fihi hudan linnas, qui est un guide là-dedans pour tout Banjimoun, pour toute l'humanité. Veut dire qu'il paraît tout seulement dans le musulman. Pareil comme ça même, quand nous guettons ban message, ban l'aude, que le messager d'Allah paix soit sur lui une gagné, qu'il y ait un prophète, il y ait un messager pour toute l'humanité. Veut dire ce message, c'est un message universel. Sans compter qui quand nous vînons avec din à l'islam, la religion de l'islam, à chaque fois nous boutons qui oui, c'est qui veut dire la paix. Et en même temps, nous dire que l'islam est un message pour tout le monde. Basons-le sur cette optique-là, loin de là, qui nous fait aller comme une comparaison, ni comme une de façon pour critiquer, juste avec l'intention pour nous exposer le message de l'islam à bonne personne qui possible envie gain connaissance l'islam ou bien même capable nous gain connaissance autre place qui la source quand nous peut dire la source ici nous peut référer à le Coran et ben récit prophétique qui nous capable de gagner l'impression une autre image de sa religion. Plus encore, de nos jours, quand nous guettons les médias, ou bien quand nous guettons alentour de nous, nous bons collègues musulmans, et n'a pas mesure de capable de transmettre via nous un autre message qui est le message de l'islam. Donc dans ce moment-là, tous les jours, nous faisons des voix, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous faisons un petit message de 5 minutes environ, qui nous peut toucher certains aspects, certains éclaircissements, afin qu'Inch'Allah, ou augmente toute connaissance concernant sa religion-là, sans qu'il nous oblige quiqu'un pour les vins vers sa religion-là, sans qu'il nous oblige quiqu'un vers la conversion. Parce que dans sa religion-là, de l'islam, pays n'a aucun forcing.
Ça, c'est parole du Créateur de verset 256 de chapitre 2 qu'on lui dit « La ikraha fi din » Pays n'a aucun forcing de din islam veut dire nous pas force un du monde pour y accepter ça qui nous dit. Inch'Allah, nous pouvons tous les jours de 5 minutes environ avec moi nous dire pour nous augmenter nos connaissances de la religion de l'islam, l'eau le message du Coran dans sa grand mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.